Salut Morgane, ça va et toi? Bah nickel, bon alors t'es prêt pour ta petite présentation? Bah il faut bien hein. Bon alors je te laisse te présenter. Eh ben moi c'est Alex, j'ai 25 ans depuis deux jours. Je suis responsable marketing pour le Vélo Vert Festival depuis deux ans. Et puis voilà, j'attends ta prochaine question. Ok. Bon, côté vélo, ça donne quoi pour toi? Moi, côté vélo, disons qu'en arrivant chez Vélo Vert, j'étais pas vraiment pratiquant, ou très peu, comme tout le monde. Et puis, bah, avec les sorties du midi, les copains qui sont à fond, donc on s'y met petit à petit, quoi. Ouais, sorties du midi, combien de fois par semaine, tu veux? Semaine ou mois? Ok, on a compris. Et donc à part le vélo, est-ce que t'as d'autres passions? Ouais, moi à la base, je viens du milieu du basket. Voilà, j'ai joué depuis que je suis tout petit. J'ai eu l'occasion de coacher également et d'être bénévole dans un club. Donc voilà, c'était une grosse partie de ma vie avant d'arriver sur Paris. D'accord, donc le basket. Ouais, le basket, les sports nautiques aussi, le jet ski. Donc ça, j'aime encore bien. Ouais. Ok, nickel. Et sinon, est-ce que t'as une petite anecdote à nous raconter? Petite anecdote, j'en ai peut-être plusieurs. La première, c'est qu'ici, bon, bah, qui dit vélo d'assez bon niveau dit pas de malbouffe. Et j'ai l'honneur d'avoir réussi à instaurer un petit peu de malbouffe avec la pizza, la livraison de pizza toutes les deux semaines. Bon, ça fait pas de mal et au final, ils sont tous contents d'en prendre une. Et puis la deuxième, c'est que j'aime encore bien pousser la chansonnette de temps en temps. Chez moi, les forêts se balancent et le toit gratte le ciel. Pas sûr qu'ils aient encore découvert mon talent ou qu'ils l'apprécient vraiment, mais j'y travaille quoi. D'accord, une petite démo, non, ça te dit pas? Non, là, il faut chauffer la voix. Ok, bah merci beaucoup Alex, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ça marche, ciao. Salut. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle autopsie de bureau. Aujourd'hui, c'est Alexandre qui passe à la moulinette. Alors Alex, c'est le plus jeune de l'équipe. Mais c'est aussi le plus chic. Eh oui, c'est un passionné de mode. Son site préféré, c'est bonnegueule.fr. Et je ne sais pas si c'est sur ce site ou pas, mais il a tous les jours des pantalons multicolores. On en prend plein les yeux. Il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, donc passionné de mode, passionné de post-it. C'est une vraie forêt sur son bureau. C'est vrai que c'est notre responsable marketing et à l'approche du festival, il a beaucoup de travail. Il est assez occupé. Alors, en termes de sport, Alex est un passionné de sport US et plus particulièrement de basketball. Voilà. Il a été également bénévole au dernier Euro en France. Donc c'est quelqu'un qui sait donner de son temps. Il est assez intéressé donc, par le sport en général, le marketing sportif. Et sa bible, c'est donc Sport Marketing, 4e édition. Donc là, c'est sur son bureau, mais c'est surtout tous les soirs sous son oreiller. Voilà. D'autres lectures, convaincre en moins de 2 minutes, ça peut être utile dans son métier. On est vendredi, les échos sur le bureau, supplément week-end. Je pense qu'il va le lire dans le train en rentrant en Lorraine ce soir, puisque Alexandre est originaire de Lorraine. Alors nous, ce qu'on aime bien, c'est surtout sur son bureau, on vient souvent, c'est piquer la meilleure boisson d'Alex, la boisson préférée, c'est la Kezak. Voilà, il s'hydrate quasiment qu'à ça. Et nous, bah, on en profite aussi du coup. Merci Alex pour ça. Allez, à bientôt pour une prochaine autopsie de bureau. On vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao, salut!